Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu d'e-sport et on va parler donc d'une convention qui aura lieu ce week-end. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc c'est à Montpellier, enfin ce sera à Montpellier. C'est à Montpellier e-sport show. Donc en fait c'est plein de tournois sur plein de jeux, donc voilà, avec tout ce qui tourne autour de l'e-sport. Il y a des invités, voilà, des événements, des machins, des conférences et tout. Et il y a aussi donc Dofus qui vient avec Ankama, et il y aura un tournoi sur Dofus et un tournoi sur Crossmaga. Donc ça c'est vraiment cool, je suis vraiment content. Surtout que c'est dans le sud, ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude. En général c'est vrai que les conventions sont soit sur Paris, du style Japan Expo, Paris Games Week et tout, ou soit directement quand c'est autour d'Ankama et du monde de Dofus, c'est à Lille ou voilà, directement dans leur studio à Roubaix. Enfin voilà, il y a plein de choses autour du nord en général, mais pas trop sud, donc là je suis content. Donc je m'y rends, avec donc Sapeu et Dofla. Il y aura bien évidemment d'autres gens comme Freeze, etc. Il y a vraiment beaucoup de gens qui s'y rendent. Donc ça me fera super plaisir de vous y retrouver là-bas. Donc on va participer au tournoi avec Dofla et Sapeu. Donc voilà, c'est petite information de dernière minute, hein, ils m'ont proposé aujourd'hui, donc parce que quelqu'un les a lâchés. Donc moi j'y allais de toute façon à la convention pour vous rencontrer, passer un super moment et tout. Mais en plus de ça, donc je vais pouvoir participer au tournoi. Donc c'est un petit tournoi de 3v3, donc avec 8 équipes. Donc on peut pas, il y a plein de gens qui m'ont demandé si on pouvait s'inscrire en avance, etc. Non non, nous non plus, hein, on peut pas du tout s'inscrire en avance, hein. Il faut aller sur place et c'est premier arrivé, premier servi. Donc 8 équipes de 3 joueurs, donc forcément il y a 24 joueurs qui peuvent s'y inscrire. Donc ça va être compliqué je pense d'arriver, je crois que c'est à 10h, un truc comme ça, enfin on va en parler après. Ça va être très compliqué je pense pour nous d'arriver à 10h, on est une équipe de bras cassés quand il s'agit d'être à l'heure. Donc enfin on essaiera de faire le maximum. Du coup oui, je voulais vous parler un petit peu d'e-sport autour de Dofus. D'ailleurs ce soir voilà, on est sur la bêta là, justement on est sur les maps du tournoi qui ont changé d'ailleurs, qui ne s'appellent plus Ghoul Terminator, parce que le Ghoul Terminator va disparaître, n'existera plus dans Dofus. Enfin il y aura plein d'autres tournois à côté, mais le Ghoul Terminator, le nom va changer. Voilà, je voulais vous en parler parce que ce soir on va être en live pour se préparer un petit peu au tournoi avec Sapeu et Dofla. Donc voilà, à partir de 21h sur ma chaîne Twitch on y sera. Et du coup je voulais vous parler un petit peu d'e-sport sur Dofus parce que ça fait beaucoup tiquer les gens. C'est vrai que les gens, quand on parle d'e-sport et Dofus dans la même phrase, les gens ils disent ouais n'importe quoi, on rigole, etc. Parce que soit le fait que ce soit un tactical RPG, donc Dofus c'est un jeu stratégique, c'est un petit peu comme un échiquier pour moi, genre ça ressemble aux échecs un petit peu, enfin, un petit peu, hein, vaguement je dis ça. Ça fait un petit peu penser aux échecs, on est sur un plateau, on a des pions qui ont plein de capacités différentes, à la différence voilà, des échecs. Mais c'est quand même un jeu stratégique où pour comprendre le jeu, pour comprendre une partie au Ghoul Terminator, pour comprendre un combat il faut quand même connaître un petit peu les sorts et tout, sinon c'est difficile. C'est pas un jeu qui est aussi dynamique que les jeux dont on a l'habitude de voir sur la scène en termes d'e-sport, du style League of Legends, Counter Strike, etc. Enfin je vous en avais déjà parlé en vidéo, et c'est vrai que moi par exemple je ne joue pas du tout à League of Legends, et quand je regarde donc une partie avec des amis ou un stream avec des amis, et eh ben je prends plaisir quand même à regarder ces dynamiques. Il y a des trucs qui se passent, des explosions sur l'écran machin, des sorts qui partent dans tous les sens, on sent l'énergie. Et du coup là c'est un petit peu plus compliqué parce que bah il y a un temps de tour, c'est pas du temps réel, donc la personne réfléchit à son tour, joue son tour, etc. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis aussi, Ankama n'a pas toujours fait les bons choix, ou alors a pas fait forcément des choix qui se dirigeaient vers l'e-sport. Ça a été très compliqué à mettre en place. D'ailleurs, donc pour l'année 2017, ils veulent faire vraiment une dynamique e-sport, ils veulent vraiment orienter l'année e-sport. Je trouve ça vraiment très bien, mais voilà, et là aussi, on peut peut-être qu'ils vont faire des bons choix, peut-être qu'ils vont faire des mauvais choix. L'avenir nous le dira. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que comme le Ghoul Terminator est supprimé, ce que je vous disais, il y a d'autres trucs à côté qui sont ajoutés, il y a plein de tournois en fait qui vont être créés. Donc je ne sais pas si vous l'aviez vu dans le Gamakna, et je suppose que oui. En gros voilà, l'e-sport de Dofus en 2017 c'est sur le Gamakna, je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description. En gros pour cette année ils veulent vraiment lancer l'e-sport, donc il y a un tournoi en mars qui arrive là, donc bientôt, très bientôt, qui va être lancé avec un cash prize de 3000 €. Donc ça c'est plutôt cool. Après il y a des tournois qui vont arriver donc en juillet, août, etc. Et en gros ce qu'ils veulent c'est, si j'ai bien compris, intégrer quelque chose en jeu qui permette donc de créer des tournois par nous-mêmes. Et du coup bah, ça c'est vraiment cool. Donc l'objectif c'est ça, qu'on puisse créer régulièrement des tournois, et aussi que eux créent régulièrement des tournois avec d'autres cash prize, peut-être plus, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Donc c'est un format 3v3, donc qui s'approche du format qui est complètement le format du Coliseum. Alors ça fait beaucoup tiquer aussi les gens ça, parce que la plupart aujourd'hui des joueurs PVP multi, donc PVPM du jeu, les plus aguerris et ceux qui passent le plus de temps de jeu dessus, etc., et qui aiment beaucoup ça, jouent en 4v4 et s'entraînent en 4v4 depuis super longtemps.
Donc, je comprends parfaitement que ces gens-là soient déçus que le format 4v4 soit enlevé dans Kama. D'ailleurs, moi, ça fait, enfin, vous le connaissez ou non d'ailleurs sur ma chaîne, ça fait 4 ans quasiment que j'ai ma chaîne. Et c'est vrai que depuis le début, j'ai faisais les Ghoul Terminator, j'ai fait des tournois sur Hellmaster, etc. Je suis un grand fan de 4v4, le PVP, même si je suis vraiment pas du tout, enfin, je suis pas du tout un expert en PVP multi et tout, je joue vraiment pour m'amuser. Mais j'ai quand même beaucoup de plaisir à jouer en PVP multi, c'est vraiment une partie du jeu que j'adore, et le format 4v4 est toujours mon format préféré. Mais c'est vrai que d'un côté je me dis que le format 3v3 est peut-être un peu plus rapide, un peu plus agréable à regarder peut-être. C'est un format aussi qu'on a plus de facilité à s'entraîner. C'est difficile de trouver des 4v4 tout le temps, sauf si on est sur un serveur comme Joel par exemple. Mais c'est difficile de... ou sur la bêta, il y a souvent des trucs qui sont organisés. Mais en général c'est assez compliqué sur son serveur de trouver du 4v4 de manière permanente quoi. Et du coup le format 3v3 c'est assez facile, vous lancez un colis, surtout avec le Colisée Interserver. En général vous trouvez assez rapidement. Donc je pense que c'est ça aussi qui embête les gens, c'est que les gens ont joué pendant longtemps en 4v4, se sont entraînés là-dessus. Y a plus de synergie aussi en 4v4 qu'en 3v3. Vous avez plus de stratégies mises en place, même si les combats sont un poil plus longs, pas forcément beaucoup plus longs, hein, mais en général ils sont un poil plus longs, ce qui est logique, vous avez 4 persos à tuer et non pas 3. Et du coup voilà, les synergies sont quand même plus intéressantes en 4v4, enfin plus intéressantes pas forcément, mais disons que vous pouvez plus mettre de choses en place vu que vous avez 4 classes. Donc voilà, donc en gros, il y a un petit peu des débats, des gens qui se plaignent et tout, je comprends parfaitement ce côté-là. Globalement, moi, ça ne me dérange pas que ce soit du 3v3, j'attends de voir, surtout que les derniers tournois qu'on avait eu du Stigou Terminator, 1001 griffes et tout, étaient en 4v4, mais il y avait donc dans d'autres tournois, les anciens tournois, donc pour les 10 ans de Dofus et tout, qui avaient été faits directement là-bas, à l'Ankama Convention. Où justement c'était du 3v3 et ça avait plutôt bien marché. Enfin c'était assez sympathique. Je sais pas si l'un d'entre vous s'en souviennent, mais en tout cas c'était vraiment très sympa. Très sympa. Donc oui voilà, je voulais revenir sur le Montpellier eSport Show. Donc il se passe à l'aéroport de Montpellier. Donc pour ceux qui habitent dans le sud et qui veulent y aller, n'hésitez pas. Donc je sais pas exactement où je serai directement là-bas, mais je pense que je me baladerai beaucoup autour du stand d'Ofus. Donc j'ai un pass youtubeur et j'ai un truc de dédicace et tout, mais honnêtement je trouve ça assez prétentieux. Je préfère que vous veniez me voir, qu'on discute ensemble, etc. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement là-bas. Je mettrai sur Twitter où est-ce que je serai, etc. Si vous voulez me voir directement. Là, je connais pas exactement le plan en détail et tout, donc je peux pas vous dire. Mais je serai globalement les deux jours, donc le samedi et dimanche, parce que c'est samedi 25 et dimanche 26. Donc je serai autour du stand d'Ofus les deux jours. Donc n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à venir me voir et tout. Je sais qu'il y en a plein qui n'osent pas et tout. Faut vraiment oser. Je viens pour ça. Bien pour vous voir, ça me fait super plaisir, donc n'hésitez pas. Donc alors, le tournoi, que je vous dise, voilà, ça commence à 10h pour ceux qui veulent participer. Donc inscription au tournoi, 11h à 14h tournoi, 14h30 à 15h30 inscription au tournoi Cosmaga. Donc voilà, en gros c'est plutôt le matin, les deux jours. Voilà, il y aura deux tournois qui seront organisés. Alors je sais pas si on pourra participer aux deux, je suppose que non, justement, si vous participez au premier jour, vous pouvez pas participer au deuxième, et ainsi de suite. Donc le tournoi réunira jusqu'à 24 participants, 8 équipes de 3. Donc il y a des... elle peut pas comporter plus d'une classe de cette liste, donc une sorte de pilier, enfin format pilier, on va dire, Ossa, Sacri, Xelor, Eni, Feka. Et du coup, voilà, il n'y a pas de duos qui sont possibles, donc comme ça, donc vous les voyez directement les duos. Donc nous, vous verrez la composition. Je vais pas jouer Feka, vous verrez ce soir la composition qu'on va jouer, c'est assez intéressant. Aussi pour le format du tournoi Crossmaga, je vous laisse aller voir directement, ça vous intéressera. Donc il y a le site officiel aussi, j'y suis déjà allé, mais j'avais pas regardé en détail. Comment ça fonctionnait. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir comment ça se passe. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à venir, aller voir le tournoi et tout. Je sais pas si ça sera retransmis en live. En tout cas, je vais essayer de vous filmer quelques petites images et tout. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Voilà. Donc c'était juste un petit point sur cet événement qui m'intéresse beaucoup et auquel voilà, je vais participer avec grand plaisir. N'hésitez pas à passer sur le live ce soir. N'hésitez pas à me donner vos retours, ce que vous pensez par rapport à l'e-sport et tout. Forcément. Comment vous le voyez pour l'année 2017, est-ce que vous pensez que c'est positif ou pas, est-ce que vous pensez que c'est impossible et tout, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'il y a aussi des jeux tactiques du style Hearthstone, hein, qui existent, voilà, qui fonctionnent très bien dans l'esport, on l'a déjà vu, et je pense que Blizzard, ils mettent tout en place aussi pour que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, voilà, je vous fais les gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous, n'oubliez pas de liker si ça vous a plu, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, je vous aime, bye bye tout le monde.